Et bienvenue à tous dans cette nouvelle partie pédagogique de Scrabble. Nous sommes le vendredi 25 septembre. Alors vous êtes normalement le samedi. Alors soit c'est vendredi soir, soit c'est samedi matin, soit c'est beaucoup plus tard, je ne sais pas. C'est la dernière de la semaine. On reprendra cette activité lundi prochain. Sans plus attendre, le premier tirage AEI2MT Joker, ça doit vous motiver de ouf à trouver un Scrabble, surtout qu'on a un joker, trois consonnes, trois voyelles, deux M. Les M se marient très très bien hein, en français. Alors généralement c'est en début de mot, I2M par exemple, comme dans immédiat, E2M comme en maîtrise, ça existe ça? En mêlée par exemple, moins en fin de mot, il y en a hein, dans homme, dans femme, il y en a, mais voilà, pas trop. Parfois ils sont séparés. Qu'est-ce qu'on va faire? Le plus simple, je vous le disais toujours, c'est la terminaison conjuguée la plus longue possible, à savoir AIT dans ce cas-là. Bon, mémé, en mai, pas sûr que ça donne quelque chose apparemment. Alors on peut essayer avec at, parce qu'on essaie de chercher encore plus loin. Alors eurait, peut-être qui est plus naturel, mais il n'y a plus de voyelle. Eura, pareil. Mais avec at, vous voyez qu'on peut former mimat. Donc mimat. Du verbe mimer, vous mimate, ça fait un Scrabble déjà. On peut également, avec la terminaison am, jouer mitam, du verbe miter. Voilà, on va jouer celui-là. On pourrait jouer marmite aussi. Je vais jouer marmite, qui est un verbe. Regardez, on peut mettre un e, marmite, marmité, ERSZ. C'est traditionnellement ce qu'on peut mettre au bout des verbes, comme chante. On peut mettre ERSZ derrière. 2-E-I-L-O-S-T. Alors attention, un petit piège sur ce tirage. Je ne sais plus lequel n'est pas bon. Si celui-là il est bon, je pense. Je vais le vérifier juste. Non, voilà, celui-là n'est pas bon. C'est le seul qui est pas bon. Il y a quatre mots qui sont, enfin trois mots qui sont bons. C'est éolite, oolite. Non, il y en a... normalement il y en a huit. Éolite, oolite, zéolite, zoolite. Et on peut l'écrire avec ou sans H. Donc c'est sauf éolite. Étoile, étiole, pas d'anagramme. Et tous les autres. Donc oolite, oolite, ou bien oolithe. Zoolite, zoolite, ou bien zoolithe. Et enfin zéolite, zeolite, ou zoolithe. Je vous mettrai tout ça dans la description à côté du bouton s'abonner. Abonnez-vous, bordel! On y va? Alors, donc étoile, étiole, on va le jouer là tranquillement. Hein. Hop. Comment on peut faire pour marquer plus de points? Plus de points qu'en mettant un S ici. Si on fait un quadruple, ça fonctionnerait. Malheureusement, on a beaucoup, 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 beaucoup de voyelles. Ici, vous voyez que ça fait moins de points. Ça fait que 70, on a déjà 73. Donc on a toilé, étoile, étiole, oiselet. Oh, un oiselet, c'est joli, un petit oiseau. Oh, piou, 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 c'est joli, joli, joli. EAD2ELPR, c'est le nouveau tirage qui permet un Scrabble sec qui ne passe pas, je pense. C'est bon, Pelard. Pelard, c'est bon, mais Pelard. Ah, on va le taper ici pour voir. Je suis pas sûr que le féminin existe. Non, le féminin n'existe pas. En revanche, Pelard, ça existe. Plein de pièges. Alors, ce n'est pas des pièges formés par le comité de rédaction de DES, pas du tout. Hein. C'est les mots qui sont. Il y a des mots qui existent, il y a des mots qui n'existent pas. Pelard, ça doit désigner un pelard qui désigne un truc en particulier, un objet en particulier. Il n'y a pas de raison qu'il est féminin. En revanche, polar, pollard, l'adjectif, permet le féminin. Donc, hein. Polar, polar, quelqu'un d'obsédé, de monomaniaque, un peu comme moi. Il y a un Scrabble sec. Alors, on essaye de faire une terminaison conjuguée, eura. Plaideur. Attendez, Scrabble sec, ça sert à rien parce que on n'a pas de place pour un Scrabble sec, hormis ici. RFES, par exemple, on ne sait pas trop quel style de mot, mais il n'y a pas trop, sauf si ça finit par un S, pour faire oiselet au pluriel. Mais sinon, il n'y a pas de place, donc ça sert à rien. Mais par habitude, on fait Eura, plaidera, pellera, ER, ça peut vous penser à quelque chose, faire penser à quelque chose, pédaler, pédalera, et hop, pédaler, plus R, plus A, pardon, pédalera. On le place un petit peu mieux. Ça fait un quadruple. Et donc 94 points. Pourquoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Multiplié par 2, 22. Multiplié par 2, 44. A noter que si on touchait deux cases rouges, ça ferait x9, x3, x3. Ça aurait pu faire x6. Hein.
On compte x 3, on compte x 3, ça fait x 6, mais non, dans les règles, c'est x 9. A-E-L-N-Q, 2U, 2U et un Q, c'est pas mal, ça se marie bien. Que, par exemple, quelque part, un mot qui finirait par UQ, comme reluque, par exemple, ou nuque, plus simplement. Éventuellement, on peut jouer auquel, un mot assez rigolo, je trouve. Moi, j'aime bien, je trouve qu'il est assez rigolo. On va le jouer ici, d'ailleurs, pour la peine. Quoi ? Ah non, ça marche pas du tout. Et ça fait EA, qui est pas un mot autorisé au Scrabble. Tant pis. Alors, ici, je vais le jouer là. On peut, non ? Ké ? Non. Ici, ek, ke, ik, ya, non, ek. Est-ce qu'on peut mettre un mot? L'anek, l'analek, non. Ici non plus, ici non plus. Pédalera, on peut mettre un i ou un s. Oiselet, juste un s. Rien devant, hein. Pas de boiselet, toiselet, y a pas. Ici, on pourrait jouer un mot en ul. Qual, u, l. Non. Alors, où est-ce qu'on va pouvoir jouer ici? Alors, kela, kela, lac. Ouais, super. Nuka, Enuka. Comme ça. Enuke, ça fait 18. Ici, Kena. Oh putain, pardon. J'ai raté la touche Q qui fonctionne toujours pas très bien sur mon clavier. Kena, 36 points, c'est beaucoup. Comment on peut faire pour faire plus? Alors peut-être y a-t-il un Scrabble reluquant sur RT, mais c'est pas bien disposé. Le M. Alors, on va regarder. Le P. Non. Le O. Non. Le I. Lunaïque. Non. Alunique. C'est pas bon, alunique. Aluminique. Et pas alunique. Non. Ici. Que temps. Le que t'es là. Non. A. Nucal, ça s'écrit N-U. Non. Kena ici. Purée, je suis un peu soso quand même. Pardon? Quoi? Palanque. Le T? Quantule, tu quand. Comment. Pardon? J'ai raté un mot peut-être? U, N, E, R. Alors je cherche comme un ouf. Ah, le Q avec le. Oh putain. J'ai oublié le i en pivot, j'ai encore du mal. Hein. C'est un mot au DSU, donc ça fait bientôt, ça fait 9 mois qu'il est sorti. Mais j'ai toujours du mal à chercher les pivots avec le i. C'est toujours pas un réflexe, il n'y avait pas de mot de deux lettres avant avec le Q. Donc c'est très difficile de chercher par essence un Q. Avant, il y a longtemps, le seul moyen de jouer un Q en pivot, c'était de jouer entre pi, pi et ur, ure. On pouvait mettre un Q pour former piqûre et poser le mot dans l'autre sens. C'était le seul moyen, ce qui n'arrivait jamais. Mais maintenant, juste avec le i, ça marche. Eh ben, un tirage qui va scrabler, très certainement, l'occasion de vous donner une petite anagramme rigolote. Laurent, qui n'est pas bon au Scrabble, hein. Quand on mélange les lettres, ça donne Renaud, l'anagramme de... enfin, l'anagramme, le nom de la marque de voiture. Hein. Et on rend naturel pour le Scrabble autorisé au Scrabble. Voilà. Pédalera, on peut mettre un i. Est-ce que je peux jouer un mot avec un i ici? Oui, il y a l'intonautile. Alors moi je connais ça, enfin je connais ça de par c'est du par cœur. L'into, comme ça. Nautile. Voilà, à l'unite. Bon, j'avais pas eu le temps de finir, mais voilà. On poursuit avec, il y avait probablement d'autres Scrabble, hein, avec le S peut-être ici. Salut, S-A-L-U-E-N-T, ça sort de la grille. Je sais pas s'il y en avait d'autres. Bon, en tout cas, il y avait au moins ceux-là. 2EG, pensez que les définitions seront mises dans la description. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait qu'il y a un concert de chars. Je pense au verbe empiéger. Ça passerait pas quand même. Oh, presque empiéger. Je pensais que ça pensait avec, avec des œufs. Empiéja, non. Alors on va jouer piéja déjà. Piéja. Beaucoup de voyelles consommées. Oh, tout de suite, le S au bout de piéger ou le T. On a un S, on met le S. On veut mettre absolument le X sur la case bleu ciel. Malheureusement, ça va pas être possible. On pourra jouer. Pensez à Sanx. Senx, mais ça ne fonctionne. Snex, Smex, Smax. Non, on va se contenter de Sax. Sexa, qui est un verbe sexé, hein, trier des poussins, notamment selon le sexe. Vous avez des poussins, hop, on regarde. Ah, c'est un monsieur, hop. Ah, c'est une madame, hop, etc. BGIM2NO, comment on va trouver le top? Je ne vous ai pas donné encore la rallonge, mais à l'unit.
qui doit être un minerai quelconque, accepte un S final. Sexa, on pense au verbe, hein, donc sexe à I, ça fera pas beaucoup de points, mais sexas, 2 SENT, sexation, sexacier, oh, un imparfait du subjonctif. Bon, peu probable, mais on garde ça dans un coin de sa tête. QI, on peut mettre un N au bout, je dis ça parce que là on peut. Alors, soit je trouve un mot en MN, je pense pas qu'il en existe. Un mot qui finit par 2 N, ça existe, mais bin, jin, gon, mon, je ne vois pas. Derrière le O, faut rien mettre d'autre, hein. On a tout fait. Ici le B, malheureusement devant le T, on peut rien mettre, donc le B en pivot n'est pas fertile. Ici, peut-être une petite place pour Boa, 18 points, c'est pas beaucoup. Le U, non. Ici, devant le T, on peut rien mettre. Ici, que le I, bof. Où est-ce qu'on va pouvoir jouer un mot? Alors, par exemple, ici, binon. Ça existe, binon. Un petit binon. Voilà, 22 points. C'est pas trop. C'était ma hantise quand j'ai commencé au Scrabble, les mots qui finissaient par ON et qui, au pluriel, donnaient un verbe. Comme, est-ce qu'il y a un mot connu comme ça? Enfin, bon, il y en a plein. Casson, cosson, bridon, riblon, binon. Coton, par exemple, du coton, C-O-T-O-N, au pluriel, ça fait coton, C-O-T-O-N-S, qui peut être considéré comme une conjugaison. Nous, coton, du verbe côté. En bourse, par exemple. Et c'était ma hantise. C'était ma hantise. J'avais l'impression que tous les mots en O-N existaient, c'était horrible. Bon, évidemment, quand vous jouez un mot en O-N, il n'existe pas, et quand c'est les autres, ça existe, mais bon. Bug, 24 points, on essaye de trouver un autre pivot plus rémunérateur, ici, bia, bio, bof. On pourrait, hein. Ça commence bien, mais biode, par exemple. Ici, non. On a le F, hein. Le F en pivot, le F en pivot, les cases bleues foncées, il n'y a pas. Ah, ici, fu, fi. On pourrait faire fim, hein, mais ça, c'est pas un mot qui existe. Sur le B, bumb, bibu, bubi, bof, gimb, gib, un mot rigolo. Non, non. Le V, le F, vif. Bon. Et on peut rien jouer, il n'y a pas de mot. Ah, le V ici, pardon, je n'avais pas vu le V en pivot. Vu. Et voilà, 28, comme d'hab. On repart avec le F. Fu, avec un S. Oh, des millions de points, 23. On n'avait pas un F qui rapportait plus tout à l'heure. Ici, on a le S. Sub, sib, sim, sug, busin, busif, musif. Ça n'a pas l'air très, très, très... très, très... Un joli gif. 23 points. 19, pardon. Ça n'a pas l'air très fructueux. Gibus. Gib. La femme ici. Fui. Buig. Gib. Voilà, le fameux gib. 24. Oh, superbe. C'est l'anagramme de gibus. Je ne sais plus ce que ça veut dire, gib. Gibus, c'est un chapeau. Et voilà. D'ailleurs, il y a une... Je sais pas si ça existe encore, un bar-concert qui existait dans juste au nord de la place de la République. Le Gibus, rue Vieille du Temple, je dirais. Ou rue du Temple, je ne sais jamais laquelle des deux. Bref, on a un K. On va essayer de le poser. On cherche les A de la grille d'abord pour les pivots. Il n'y en a pas de dispo. Hein. Il y a un A là, mais ça ne marche pas. Kn, kn, non. Il y a des mots hein, comme Knut, K-N-O-U-T. Le K, maintenant, on va le poser sur les cases bleues foncées. Ici, ça ne marche pas. Qui tu, qui mu, qui fu, non. Ici, kit, kim, kif, kif. 36, et voilà, vous avez vu, c'est facile parfois. Hein. On a deux U. Alors on pense, j'ai raté Uranium l'autre jour, hein, j'ai vu, hein, en vertical, là, j'avais joué, il fallait jouer Saumurier au top. Moi, j'ai joué un truc pourri, et il y avait Uranium qui passait, alors j'ai dit qu'il cherchait un truc en UM. C'est dommage. Bref, on n'a pas beaucoup de points dans nos lettres, donc on va chercher les lettres de la grille qui rapportent. Par exemple, pédaleret, c'est pas mal, on met un T. Nua, ut, UTE, ça fait beaucoup de points. 24 points. Entre U et X, on peut rien mettre. Alors peut-être juste le T. Tu, malheureusement. Ah, taux. Taux, là, ça ferait plus. 25 points. Oh! Comment ça, non? Ici, alors. Boat, beut, abeut, boat. ONT, c'est la seule lettre derrière le T. Derrière O, on peut mettre que le M. Donc MT, ça paraît peu probable. But, bot, je ne trouve pas. 25 points. Qui fait? On peut mettre un E. E-U-R, U-E-U-R, mueur, tueur. Et voilà, lueur, joli.
AEJMNRT, beaucoup de consonnes. On peut penser au verbe jerka, je le tape juste pour le plaisir. Le jerk, la petite danse, ou jerker carrément le verbe. On va essayer de rentabiliser notre J. Alors le J, ici. Déjà les E en pivot, il y en a ou pas? Il n'y a pas de E en pivot qui rapporte. Hein, parce que là, là, par exemple, je peux jouer. Hein, je peux jouer jam, mais ça ne fait pas beaucoup. Mais non. Alors ici, on peut jouer jati. 22. Non, Jami, Maje, M-A-J-E, bon, ça fait un peu moins, hein. 22 aussi, ça fait pareil en l'occurrence. Ici, ça fait moins, je pense, Maje 22. Jeta, Jadjam, bof. Ici, toujours, T-A-N, temps. C'est tout, T-N, non. 23 points. Alors, comment on va pouvoir faire plus le... Non, non. Ici, là, Bante. Berthe, Bart, Barthem, Bertan. Je connais pas de mots comme ça. Non. Alors, qui fait ça marche pas. Le J. Alors, ici, rejet, ça fait plus. 28. Ouf, bah, bien content que ce soit le top. On poursuit avec toujours très peu de voyelles dans notre tirage, espérant qu'on soit plus chanceux par la suite. Un S à qui fait, il n'y a pas. Bah, comme ça. 25. Eh ben, dis donc. ACDI2NO, ça fait penser au verbe cadonner, qui est un mot valise. Mot valise, c'est un mot qui est formé à partir de deux mots qu'on a collés, et éventuellement au milieu, on a arrangé pour que ça sonne correctement. Et cadonner, ça veut dire donner un cadeau. Je crois que c'est un mot qui vient d'Afrique. Donc, comme adonner avec un C devant. Comme cadeau, donner, donner un cadeau. Et comme il y a un D dans cadeau et un D dans donner, on a ficelé les deux et hop, cadonner. Voilà. Margi, maréchal du logis. Par exemple, lieutenant. Un lieutenant, c'est celui qui tient le lieu. Incroyable. Hein, le cas d'Anik. Non, il y a Dakin, Dinka. Comme ça, mais ça ne touche pas le mot double. C'est dommage. Sexa, on ne peut pas aller plus loin que sexe. Ici, Déa, rejeté, rejetave. Non, ici, que le E derrière ut. Le T derrière ba, pour former bat. Mais on n'a pas de T. La monnaie, bat, c'est la monnaie de la Thaïlande. Lueur, clueur, non. J'ai aucun mot là. Ici, que, coup, non. Oé, home. Ah, con, donne. Ah bah, cadonner, ça passe. Ça fait... Si c'est ça le top, c'est joli. Oh, c'est magnifique. Mais c'est simplifié par le fait que ça... C'est un appui potentiel. Donc on peut penser au mot cadonner. Et ensuite, quand on voit, on fait... Ah bah, ça passe. Très très rigolo ce mot. Y et W, un seul mot à retenir, YOL. Y, A, W, L, il y en a d'autres, hein. Mais c'est le mot principal à retenir avec les deux lettres. Il n'y a pas de YOL parce qu'on n'a pas de A et pas de L, donc il faudrait vraiment qu'on ait, un A et un L très bien placés. On va essayer tout de suite le triple. Alors, OYA, avec le W, il y a peu de chance, mais on va regarder quand même. WA, ROI, je ne vois pas, on pourra avoir Rwandais. OYA, non. Ria, Nia, Orai, Onei, je ne trouve rien, tant pis. Alors, on va chercher ailleurs. Le K, Work, presque Network. Non, Noyer, Yori, oh ben dis donc, il n'y a pas la place de jouer à Y. Ici, on a le E. Non, alors, E ou E peut-être. Allez, 13 points, ça me rassure. Je sais que c'est pas le top, mais ça me rassure de le jouer. Comme ça, je me dis, allez, on a trouvé quelque chose, on va essayer de trouver un peu plus. Noyer comme ça. 22, c'est ridicule hein, comme score, mais qu'a donné un T, non, ici, ah bah le Y en pivot, bordel, Yen, c'est cher ça, hein, dis donc, le W toujours, work, c'est pas bon au Scrabble en français, hein, work, le W, on peut le taper ici toujours avec 13 points, c'est pas beaucoup, devant si, si, on peut mettre le P ou le K, psi, xi, les deux lettres grecques, ici, oreille, rei, bon on va jouer rei, mai, 14. Voilà, ici. Mauroi, hors moi. Ça doit faire 16. 16 points. Dommage, c'était joli. Hein, de marquer loyen, non. Kina, binon, le T, non. Sié, non. Rejet. R, E, ben il n'y a pas de mot. Non, Moae.
Aix, j'ai aucun mot. Le K, on n'a que 16, hein. Moroc, Ormoc, Mororier, Oromori. Et le W, ça passe pas du tout de nulle part. Là, mort. Des millions de points, pardon. Jouer 24 points. Maintenant, on a des lettres un peu plus sympas, dont le W. Et on va pouvoir le jouer. Par exemple, on pourrait jouer Sweat, même si ça n'arrive pas jusqu'au triple. Tora, Aorte, Torea, le verbe toréer, ça fait 33 points seulement. Sweat, ça faisait 36. Devant Ray, on peut jouer Grès. Attention, petit piège. On a envie de jouer Trayer, mais ou que je traye. Mais non, on dit que je traie du verbe traire. Donc c'est pas, ça donne pas le, ça donne pas le top. Je vais bouger ça un peu comme ça. Non, comme ça. Voilà. Ah ben non, c'est pire. Et si je fais comme ça? Ah non, c'est mieux là. Ouais, mais faut que je bouge ça. Comme ça. Voilà. Ah, oh, cette installation technologique incroyable! J'espère qu'il va pas se péter la gueule. Non, c'est bon. Très bien. Voilà, donc trait, mais ça ne marche pas. Ni trait avec un S. Thorac, thorac, steak. Bah, du coup, j'ai bougé le. Voilà. Streak, c'est pas bon, streak, hein. Des victoires d'affilée, non. On a 36 toujours, seulement. Sexat, non. Alors, ici, souhaite. 38, c'était le Z, le S au bout d'un mot, tout simplement. Là, on a un Z, donc on pense tout de suite au verbe conjugué. On a un E ici. On peut jouer ici, par exemple. Hein. Orné. Narré, ça fait un petit peu plus. Et éventuellement, le Z sans les conjugaisons EZ. Par exemple, sur le T, en triple, on peut jouer Zona 42, qui ne fait pas le top, ce qui m'embête beaucoup. Ici, alors, Zonera, bam! Comment ça, non? Ozonera, astuce. Mettre de l'ozone. On peut mettre un I ou un S derrière. Il reste dans le sac des listes. D, 2 E, I, L, 2 S, T. Alors, Charaf, ça marche pas. On a envie de jouer quand même quelque chose ici comme Shva. Oh là là, Hava. J'ai l'impression qu'on n'arrive pas à taper à toucher la case bleue foncée avec une lettre qui vaut 4 et à toucher le mot double. Alors, sur le K. Vrac, vrache, frache, non. Facha, un mot qui finirait par AH, ACH, comme ça. Fache, vache, non. Vacha, achar, c'est pas bon comme ça, si. Ouais. Racha, charte, trash, tâche. Craft, c'est avec un K, craft ou pas? J'ai jamais su. C'est avec un K, ok. Je me pose toujours la question et je note jamais la réponse ici. Alors, on a quand même beaucoup de lettres qui valent énormément de points. Le pivot H ne fonctionne pas ici. H, A, A, c'est pas bon. Kafa, Fara. Favak, Varaf. Fava. Mais c'est une blague. J'ai 24, hein. Alors tranquillement, on va regarder le H. Un char. 19. Ozonera. Schraf, Schrav, Frash. Mais ça évite toutes les cases. Chava, c'est pas bon. Chava, toi? Frache, ça fait un peu. Vous pouvez. Hein? Bon. Foa, H. Voilà, le H en pivot. Et il n'y a pas de mot. Le A ici, non. Kraft, krafk, frak, non. Non. Ici. Vachir, chavir. Non, mais fachi, ça ferait combien? 26. Chari, Havir, ça fait combien? Ça va faire 24, ça va m'énerver, je le sentais. Alors, Grès, le G. Créa, Freya. Oh là là, c'est pas cher. Oh mon Dieu, 51. Bon, on continue. Alors, chevrer n'est toujours pas conjugable hein, dans l'ODS. C'est que l'infinitif. Faire chevrer quelqu'un, c'est le faire tourner en bourrique, hein, le mettre en colère. Donc, VS versus. Donc, Chera, tout simplement, qui fait 38. Cheva, du verbe chever, qu'on peut prolonger d'un A, bien sûr. Hein. Cheva. Et on est proche du top, Jean-Baptiste Morel! Bouffe! Pardon, mais c'est pas fait encore. Comme ça, D-I-E, non. Lier. Lier, par exemple. Trier, ça fait un peu plus. Comme ça fait 21. Ozonera, on peut mettre un I.
C'est tout? Ça peut être un E derrière le V, non? Il n'y a pas un mot en EIT ou en IET comme ça? Riet, liet, diet, 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 coke. Sur le cas, délic, trick, trake. Riet, ça fait 3 points. Délit 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait que 18. Ici, là. Trider, Tradir, Terlir. Oh là là, c'est pas possible de galérer comme ça. Alors. Non, mais c'est là, c'est pas possible. IE. Non, ici, I, non. E, I, non. Tei et TEI, ça marche pas non plus. On a 21. Là, DEA, non. Sex, ah, ici, T. IT. Non. TE, ça fait combien? 20 points. Ah, oh, zut. Dommage, je me suis moqué de Benjamin. De Benjamin. De Jean-Baptiste, et puis voilà. Oh, c'est pas possible. Trick, Derrick, Direct, Tirek. C'est pas possible. Frayet, T. 18. Bat. Cadonnet. Trider. Terdir. Thriller. Terril. Oh, monstrueux ce mot. Oh, Jean-Baptiste, bouffe. Pardon, excusez-moi. Alors, Jean-Baptiste, t'as fait quel score sur cette partie? Parce que moi, il semblerait que j'ai pas raté beaucoup de coups. Par exemple, j'ai raté le coup numéro... Ah ! Ah ben j'ai pas raté de coup ! Ça alors ! Passez un bon week-end, je vous aime.